que dans notre faiblesse, tu manifestes ta force et ta puissance. Ô Saint-Esprit, agis au nom de Jésus. Amen. Saluons-nous dans la joie. Amen. Il y a un témoignage qu'on a oublié, une action de grâce, et l'action de grâce de Papa Samy. Titre à nos communes, bien ou bien t'es. Viens me dire à l'oreille comme ça, je vais le dire. Il est devenu juge des grandes instances. Oh, non, cette église me fait peur. Dans 5 ans, il y aura des ministres, des magistrats, des professeurs, des... Non, c'est terrible. Le futur de cette église est glorieux. Dans des grands hommes qui craignent Dieu. Marié à une seule femme sans intention de divorcer. Non, le futur est grand. Alléluia. Vous savez, quand on a commencé la compassion, il y a de cela 18 ans, alors notre premier culte, il n'y avait pas de tôle. On avait mis un tapis par terre, le mur était fissuré, on n'avait même pas une belle chaire, même pas l'argent pour un podium, même pas l'argent pour les tôles, même pas l'argent pour la porte de l'église. Certains fidèles s'asseyaient sur des pierres, d'autres s'asseyaient contre le mur. Alors il y a des petits enfants qui étaient venus qui ont dit « Pasteur, mais ton église n'a pas de tôle ». Ils se moquaient de moi. Et c'était des enfants de 4 ans, 5 ans, 7 ans. Et puis j'étais fâché, j'ai dit « Seigneur, donc tu m'as dit de tout abandonner pour avoir comme fidèles des enfants de 7 ans ». Et puis Dieu me dit « Ce ne sont pas des pierres, ce sont les pierres qui ne grandissent pas ». Mais ses enfants grandiront, ils seront grands. Et parmi ses enfants, il y avait la sœur Rachel, qui aujourd'hui est parmi les dirigeants de notre ministère en France. Et je vous assure, vous serez grands. Très grands. Si Jésus-Christ tarde, le monde verra ce que Dieu fera au milieu de nous. Ah oui. Et nous ne le forcerons pas. Craignez seulement Dieu, aimez Dieu, travaillez, étudiez, aimez vos enfants, aimez vos femmes, aimez les gens. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre culte de sanctification. Amen. Et le thème de mon message ce matin, c'est la haine du péché. Je ne serai pas long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ce dimanche. Dis à ton voisin la haine du péché. Proverbe 8, verset 7 tout d'abord. Proverbe 8, verset 7. Vous y êtes? Nous lisons. 1, 2, 3. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Et puis Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Vous y êtes? 1, 2, 3. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Proverbe 15, verset 26. Il y a des gens qui disent que quand tu utilises l'ordinateur, ce n'est pas la Bible. Seigneur, il faut ouvrir les pierres et les parchemins. Amen. Proverbe 15, 26. 1, 2, 3. Et les parchemins. Amen. Proverbe 15, 26. 1, 2, 3. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Nous clôturons avec Romains 12, verset 9.
Romains 12, verset 9. Vous y êtes? 1, 2, 3. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Que Dieu bénisse sa parole, asseyez-vous, s'il vous plaît. La haine du péché. Amen. Je ne parle pas de la haine des hommes, car la plupart des temps, nous nous comportons comme les frères de David. David avait des grands frères qui étaient des grands militaires et ceux-ci étaient allés à la guerre contre Goliath. Et Goliath les insultait, ils ne savaient pas vaincre Goliath. Et lorsque David est venu dans cette guerre pour leur apporter des nourritures et s'enquérir de leur situation, ils ont dit que c'était un orgueilleux parce que quand même il était choqué de voir un incirconcis insulter l'armée de Dieu. Et nous voyons ses frères oublier que c'était Goliath le problème et ils ont commencé à se concentrer sur David le traitant d'orgueilleux. Ils ont oublié l'ennemi. Ils ont oublié celui qu'ils devaient haïr. Ils ont oublié le vrai problème qui était Goliath. Ils se sont concentrés sur David qui ne les insultait pas, qui n'était pas le problème et qui d'ailleurs voulait résoudre le problème. Et des fois, dans la vie chrétienne, au lieu d'haïr le mal, nous haïssons nos frères. Au lieu d'haïr le diable, nous haïssons les hommes. Et nous faisons des hommes notre problème. Nous faisons de nos prochains notre problème. Alors que notre problème, c'est le péché. Notre problème, c'est le diable. Ton frère n'est pas ton problème. Amen. Hein? Ton frère ne va pas t'amener en enfer, mais c'est le péché qui peut t'amener en enfer. C'est le diable qui peut te séduire et t'amener en enfer. Mais souvent, nous avons des hommes dans nos cœurs que nous haïssons, à qui nous ne parlons pas. On aimerait que des malheurs leur arrivent, on aimerait que tellement de mauvaises choses leur arrivent. Ce sont des ennemis à qui on ne parle pas, on ne les salue même pas, on ne pense pas à eux. Lorsque tu le vois, tu es mal à l'aise, alors que ce n'est pas David le problème, c'est Goliath le problème, c'est Satan qui est le problème, c'est le péché qui est le problème. Au lieu de haïr ton frère, il faut haïr Satan et haïr le péché. Amen. Qu'est-ce que, bien-aimé, haïr le péché? Car souvent nous pensons qu'haïr le péché, c'est seulement avoir des émotions face au péché. C'est seulement avoir de l'aversion face au péché. Et c'est ce qui est vrai. Mais il y a plus qu'avoir de l'aversion. Haïr le péché, c'est vrai, c'est répugner le péché. C'est avoir en horreur le péché. Mais c'est aussi réprimer le péché. C'est éviter le péché. C'est fuir le péché. C'est abandonner le péché. C'est se séparer du péché. C'est condamner le péché. C'est être ennemi du péché. Lorsque tu dis que tu as la haine du péché, au-delà d'avoir des émotions, de l'aversion, de la répugnance pour le péché, tu dois t'en séparer. Si tu es en ce lieu, tu es attaché à un péché, tu n'as pas la haine du péché. Si tu refuses d'abandonner un péché, tu n'as pas la haine du péché. Si même tu tolères le péché dans les autres, tu n'as pas la haine du péché. Car la haine du péché nous amène à réprimer le péché, à condamner le péché en nous et dans les autres, à nous séparer du péché. Lorsque tu as la haine du péché, tu te sépares de ce péché. Même si c'est un péché qui t'aide, c'est un péché qui t'ouvre les portes, même si c'est un péché qui te donne un certain confort, tu te sépares de ce péché, alors nous allons dire que tu as la haine du péché. Qu'est-ce qu'est le péché? Le péché, ce n'est pas seulement transgresser les 10 commandements. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité, car souvent lorsqu'on parle du péché, directement l'impudicité. Et si on ne commet pas l'impudicité, on dit que je n'ai pas de péché. Mais souvenez-vous que Pierre a dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. C'est Pierre, hein? Pierre ou Jean? Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Mais pensez-vous que Jean était dans l'impudicité, qu'il était dans l'adultère? Non, alléluia. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Il y a des gens qui iront en enfer sans avoir été impudiques, sans avoir été adultères. Le péché, c'est offenser Dieu.
Lorsque tu offenses Dieu, lorsque tu offenses le Saint-Esprit, lorsque tu fais quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, tu as péché. Je donne un exemple. Le Saint-Esprit ce matin me demande de prêcher sur la haine du péché et moi je décide de prêcher sur la bénédiction. J'ai péché. Mais prêcher sur la bénédiction, c'est une bonne chose, c'est la Bible. Mais comme je n'ai pas fait ce que l'Esprit m'a demandé, j'ai péché. Souvenez-vous dans la parole de Dieu. Dieu avait jugé David parce qu'il avait fait le dénombrement d'Israël. Dénombrer Israël n'est pas un péché, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu peut te demander le matin de te réveiller pour prier et toi tu dors, tu as péché, mais tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, mais tu n'as pas fait sa volonté, tu l'as offensé. Le péché, c'est aussi offenser son prochain. Il y a des gens qui vont dans des retraites, ils sont en communion avec Dieu, mais ils ont des problèmes avec leurs frères. Ils ont des mauvaises paroles. Tu blesses quelqu'un en parole et puis tu ne t'en occupes pas. Tant que toi, tu as des visions, tant que tu pries. Non, bien-aimé, quand tu blesses un homme, des mauvaises paroles, tu insultes, tu fais mal à quelqu'un, tu manifestes de la méchanceté, tu as péché parce que tu as offensé une créature créée à l'image de Dieu. Mais le péché n'est pas seulement commis en offensant son prochain, il est aussi commis contre soi-même. Lorsqu'un homme se suicide, il se tue lui-même, il n'a tué personne, mais c'est un péché que de se suicider. Lorsque tu prends un couteau, tu te taillades les veines, tu as péché contre toi-même parce que ton corps ne t'appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu te masturbes, tu pèches. Parce qu'il y a des gens qui se masturbent, ils disent, moi je ne l'ai fait avec personne, je n'ai pas pris la femme d'autrui, je ne l'ai fait avec personne, c'est mon propre corps que j'ai touché. Tu as péché contre ton propre corps que tu as souillé parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les masturbateurs sont des pécheurs et leur péché c'est contre leur propre corps. Le péché. C'est lorsque tu t'insultes toi-même. Il y a des gens qui disent, moi je n'insulte personne. Mais quand tu t'insultes toi-même, tu t'insultes, tu pèches parce que c'est Dieu qui t'a créé, tu es en train de l'insulter. Le péché. Le péché, c'est se détourner de la volonté parfaite de Dieu. Dieu a deux volontés. La volonté permissive et la volonté parfaite. J'aimerais expliquer ces deux volontés. Balaam va voir Dieu. Il est proposé par Balak d'aller maudire Israël. Il vient devant Dieu, il dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je puisse aller avec Balak? Dieu lui dit, tu n'iras pas maudire mon peuple, car personne ne peut maudire ce que je bénis. C'était la volonté parfaite de Dieu pour Balaam, qu'il ne puisse pas aller avec Balak. Mais quand on lui propose beaucoup plus d'argent, il revient vers Dieu, il dit, est-ce que tu veux que je puisse aller avec Balak? Alors Dieu sent en lui la cupidité, il lui dit, va. Ce n'était pas la première volonté, c'était la seconde qu'on appelle la volonté permissive. Tu viens auprès de Dieu, tu dis, Seigneur, je veux épouser cette femme. Dieu te dit, non, un chrétien ne peut pas épouser une païenne. Mais tu reviens encore, tu jeûnes, tu pries, Seigneur, je veux seulement celle-là. Et puis Dieu te dit, va, c'est la volonté permissive, ce n'est pas la volonté parfaite. Dieu te dit de ne pas quitter le Congo, mais toi tu décides d'aller en Europe. Dieu te dit clairement pourquoi il ne veut pas de cela. Mais toi tu insistes jusqu'à faire des visas et tout le reste et tu y vas. Tu es dans la volonté permissive de Dieu. Mais tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, mais seulement il y a une chose, tu n'es pas dans la première volonté de Dieu. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? Es-tu en train de forcer les choses ou es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce qu'il y a dans ta vie des personnes que tu as blessées? Est-ce que tu es en train de te blesser toi-même? Est-ce que tu as offensé Dieu? C'est cela, le péché. Et voici quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont manifesté la haine du péché. Car il peut se faire que tu n'as pas trop bien compris ces définitions, mais tu pourras les comprendre au travers de ces exemples. Voilà Joseph. Joseph n'a jamais demandé d'être grand. Et d'ailleurs, sachez que les hommes grands souvent ne demandent pas la grandeur, car si tu connais la grandeur, tu vas éviter la grandeur. Alléluia. Chaque dimanche, j'ai envie les fidèles, parce que vous pouvez dormir, vous vous habillez bien, vous venez au deuxième culte, on vous prêche. Mais moi, il faut que je me réveille à 3h, 2h, des fois tu dors pas, parce qu'il faut que tu prêches deux fois. Et si tu prêches bien au premier culte, et tu prêches mal au deuxième, personne ne te comprendra. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux poumons, mais je dois parler. Et si tu as envie d'être à ma place, tu ne sais pas ce qu'est ma place.
Ah oui, mukola linga marmine nete. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Joseph ne demande pas l'élévation. Dieu l'appelle à être plus grand que ses frères. Il se retrouve en Égypte et là Dieu l'élève dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui arrive? La femme de Potiphar commence à convoiter Joseph. Et les femmes égyptiennes étaient très belles. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se sanctifient parce que la tentation est vilaine. Ils ne sont pas tentés selon leur goût. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce que la fille là n'est pas à son goût. Amen. Mais c'était la femme au goût. Amen. Parce qu'il devait fuir. Pourquoi? Azana posatiga là. Ce n'est pas parce que tu te sanctifies que tu es devenu efféminé. Ce n'est pas parce que tu te sanctifies que tu n'as plus de sens. Ce n'est pas parce que tu te sanctifies que tu ne fonctionnes pas. Si tu te sanctifies parce que tu ne fonctionnes pas, ce n'est pas la sanctification, tu subis. Tu ne voles pas parce que tu n'as pas les mains. Oh, c'est normal, mais quand tu as tout, mais tu ne le fais pas. Toi vraiment, que Dieu te bénisse. J'aimerais parler à tous les frères qui sentent des choses. Tout le monde sent ces choses. J'aimerais parler à toutes les sœurs qui sentent des choses. Tout le monde les sent. Mais le diable souvent te dit, comme tu sens, tu dois pécher. Sentir, ce n'est pas pécher. Sentir, c'est la preuve que tu es en bonne santé. Sentir, c'est la preuve de la santé. Alléluia. Ce n'est pas la preuve que tu as un démon. Tu es en bonne santé. Et maintenant, cette femme le tente, pas un jour, ni deux jours, ni trois jours, plusieurs jours. Elle fait une stratégie. Elle envoie tout le monde, celui-ci au marché. Toi, acheter ceci et cela, il reste tout seul. Il y a des gens qui se sanctifient lorsqu'il y a une maison remplie. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls avec la femme de Potiphar, ils pêchent. Ta sanctification, si elle dépend de nous, tu n'as pas une sanctification. Un jour, tu vas te retrouver aux États-Unis dans un coin où personne ne te connaît, tu vas pécher. Mais Dieu aime les hommes qui se sanctifient lorsqu'ils sont dans une pièce vide. Que fais-tu lorsque tu es seul? Que fais-tu lorsque tu es dans un milieu où on ne sait pas que tu es un frère? Que fais-tu lorsque tu te retrouves dans un endroit où même les gens se comportent avec toi comme si tu étais païen? Que fais-tu lorsque tu vas dans un endroit où les gens supposent que toi, tu es pécheur? Tu vas dans une fête, on suppose que toi aussi tu danses et on vient, on te tire. Viens, on va danser. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vas dans une université? Et dans cette université, il n'y a même pas un seul frère en Christ. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vas travailler dans un endroit où il n'y a pas un seul chrétien? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu peux pécher sans que ton pasteur le sache? Il avait l'occasion de pécher sans que Potiphar le sache. Car s'il y a des gens qui cachent les péchés plus que les autres, ce sont les femmes mariées. Kindumba ya célibataire et banara ya muto bala surtout sans moi c'est banara te. Maman, si tu vis dans le péché en secret, répands-toi parce que Dieu voit. Ah, je sens que je vais dire des choses. Ah oui. Ah oui, je sens que je vais dire des choses. Souvent, les jeunes sœurs, lorsqu'elles tombent dans le péché, elles vont se confesser auprès du pasteur parce qu'il n'y a pas trop de conséquences par rapport à leur confession. Mais lorsqu'une femme a un mari et des enfants et qu'elle est tombée, elle peut mourir avec le secret. Alors tomber avec cette femme mariée, aller le cacher parce que jamais elle n'allait le dire, mais lui n'a pas vu la capacité de la femme de cacher, il a vu la capacité de Dieu de voir. La crainte de Dieu t'amène à voir Dieu partout. La crainte de Dieu t'amène à voir Dieu là où il n'y a personne. La crainte de Dieu t'amène à accepter la prison au lieu du plaisir. La prison au lieu du plaisir. La prison au lieu du plaisir. Je dis la prison au lieu du plaisir. Bien-aimé, je vous conseille de faire un tour en prison. Surtout notre prison de Makala. Faites un tour. Ah non. Dernièrement, nous sommes allés avec Papa Samy dans la prison de Makala. Et on a rencontré un papa de l'église qui y est. Il nous a raconté comment est-ce qu'ils vivent là-bas. Il y a un endroit qu'on appelle hébergement. Quel beau nom.
ou quand vous héberge là-bas, vous pouvez être à 200 personnes assis par terre et vous dormez assis comme ça. Ou vous dormez comme des sardines. Mais certains qui sont là ont volé, ils ont tué. Mais Joseph était là parce qu'il a craint Dieu. Sans regret. Peux-tu accepter d'être prisonnier par la sanctification? Peux-tu être accepté de souffrir parce que tu as craint Dieu? Un homme qui a la haine du péché accepte la souffrance au lieu du péché. Accepte de perdre des avantages au lieu de pécher. Accepte de perdre le trône au lieu de pécher. Il préfère être en prison avec Dieu que d'être dans le palais avec le diable. Il préfère être en prison avec Dieu que d'être dans un palais sans Dieu. Joseph. David. David reçoit l'onction du Saint-Esprit. Et cela crée une jalousie dans Saül. Parce que son onction commence à amener des victoires. Il a la victoire sur Goliath. Il a la victoire sur des armées. Et les femmes commencent à chanter. David a gagné 10 000 et Saül a gagné 1 000. Chères femmes, lorsque vous êtes en train de vanter les gens, faites attention de ne pas amener l'orgueil et des problèmes. Amen. Hein? Ne faites jamais des éloges aux autres en faisant des comparaisons. Même à l'église. Si un frère prêche bien, dites-lui seulement, frère, tu prêches bien. Ne dites pas, frère, tu prêches bien plus que les autres. Ne dites pas ça, ça crée des problèmes à l'église. Si quelqu'un chante bien, ne dis pas, tu chantes bien plus que tous les choristes. Dis-lui, tu chantes bien. Alléluia. Si quelqu'un a l'onction, dis-lui seulement, tu as l'onction. Ne dis pas, c'est toi qui as la plus grande onction. Vous créez des problèmes. Et ils amènent des problèmes plus que... C'est-à-dire qu'on a donné à Saül la dîme de David. Il dit, cet enfant... On me donne déjà la dîme, c'est fini, il sera roi. Et cela lui crée des problèmes, on commence à le pourchasser. Imagine que tu es en train de te pourchasser alors que tu n'as rien fait. Et une occasion lui est donnée de tuer Saül. Il s'avance alors qu'il s'endort et il prend un couteau et il commence à couper seulement le pan de sa robe. Pas son ongle, ni son doigt, ni ses cheveux, le pan de la robe qui n'a pas de sang, ni de veines, ni aucune sensibilité. Il touche le pan et commence à couper. Et la Bible nous dit, son cœur a commencé à trembler, il s'est arrêté. Quel niveau de crainte de Dieu. Un homme qui craint Dieu, lorsqu'il est sur le chemin du péché, son cœur commence à battre. Un homme qui craint Dieu, lorsque même il a fait un rendez-vous à quelqu'un pour commettre un péché, son cœur bat et il dit, non, j'annule le rendez-vous. Car si tu commences à couper le pan de la robe de Saül, tu finiras par le tuer. Oh, Shandarababa. Ce n'est qu'un chemin vers le meurtre et son cœur tremble. Est-ce que vos cœurs continuent à trembler quand vous péchez? Est-ce que vous manquez le sommeil quand vous péchez? Est-ce que vous manquez la paix quand vous péchez? Comment? Deux personnes peuvent vivre ensemble pendant 10 ans sans mariage et vous avez la paix. Mais si vous mourrez, vous irez en enfer. 10 ans ensemble sans mariage. Si Jésus revient, vous allez rater l'enlèvement. Mais comment vous avez la joie? Comment vous avez la paix? Tu dois déranger cet homme tous les jours pour qu'il puisse te marier. Tous les jours de ta vie. Sinon, tu iras en enfer, même si on t'appelle frère. Un cœur rempli de la crainte de Dieu perd la paix et la joie lorsque le péché se couche à sa porte. David, Abnego, Meshach et Shadrach, on décide qu'on puisse imposer à tous une loi martiale. Tout le monde doit adorer l'idole, sinon tu meurs. Imaginez, frères et sœurs, il y a ici 2 000 personnes, et on dit tout le monde doit s'agenouiller maintenant, et il y a 3 jeunes gens qui restent debout. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, on va te remarquer. Ces 3 jeunes gens savaient qu'en restant debout, c'était un arrêt de mort. Mais il préfère mourir qu'adorer une idole. Un homme qui craint Dieu n'est pas dans la majorité. Il est dans la révélation.
Il n'est pas dans le mouvement, il est dans la révélation. Il ne fait pas les choses parce que tout le monde le fait, mais il est dans la révélation. Il ne fait pas les choses parce que c'est à la mode, mais il est dans la révélation. Il ne fait pas les choses parce que c'est populaire, mais il est dans la révélation. Et s'il doit mourir, il mourra. Lorsque la persécution atteindra le niveau de tuer les chrétiens, est-ce que tu accepteras de mourir? Un jour, des frères, voyant que dans leur église, les gens blaguaient avec Dieu, mais que le pasteur ne comprenait pas que les fidèles étaient superficiels, ont décidé d'aider leur pasteur. En plein culte, ils sont entrés avec des cagoules et avec des kalachnikovs. Et ils ont tiré. Tout le monde a dormi par terre. Et puis ils ont dit, celui qui est de Christ, qui reste ici, on le tue. Et ceux qui ne sont pas de Christ, qui le sortent. Bien-aimé, le modérateur. D'ailleurs, moi, on m'avait envoyé ici d'abord. J'ai passé. Protocolaire. Toute l'église s'est vidée presque. Il y a eu, je crois, quelques personnes. Et puis les frères ont enlevé les cagoules, ont dit, pasteur, tu vois, tu n'as pas de fidèles. Il faut recommencer l'église. Ah, vous faites ça? Tu as déjà entendu le bruit d'une mitrailleuse? Si des militaires entraient et faisaient de même, et tiraient en l'air, et puis disent que les vrais chrétiens passent devant la chair, on va vous tuer. Les faux chrétiens sortez, qui restera? Ne mens pas, qui restera? C'est vrai? C'est vrai? Tu dis que tu mourras, mais pourquoi tu ne supportes pas la souffrance et la petite souffrance te fait pécher et tu triches à l'université? Avoir 0 sur 10 ne tue personne, mais vous refusez d'avoir 0 sur 10, vous préférez corrompre et vous dites que vous allez mourir. Vous êtes des pierres. Je ne te réunirai jamais. Moi, jamais. Mais après, je ne l'ai jamais connu. Oh, n'aibieté. Nako wanga na pas zoko kanakara na muto yo. Ao wanga na poba mesana trop. Mais ces jeunes, vous savez, ils savaient qu'en restant debout, ils ne seront pas tués avec une balle parce que la balle ne fait pas très mal. Tu souffres pendant un temps puis tu t'en vas. Mais c'était le feu! Le feu! Le feu! Et la Bible nous dit qu'ils étaient prêts à mourir. Ils n'ont pas dit que nous acceptons parce que Dieu nous délivrera. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas une idole que Dieu libère sur nous. L'esprit qui était sur Abnego, Meshach et Shadrach, de sorte que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. La crainte de Dieu t'amène à braver la mort. Daniel, leur ami aussi, on interdit d'adorer un autre Dieu. Mais lui avait déjà une habitude, chaque matin, chaque midi et chaque soir, il se tenait dans sa chambre et il adorait Dieu. Et il ouvrait toujours les fenêtres. Et quand il a entendu qu'on interdisait d'adorer l'Éternel, il a dit, je continuerai mon habitude, même si mon habitude va me tuer. Alléluia. Même si tes principes vont te tuer, que tes principes te tuent, si tes principes viennent de Dieu. Et il n'a pas fermé la porte, il n'a pas fermé plutôt les fenêtres. Il a adoré devant tout le monde, Oyekoya et Ya. Ton principe, c'est que tu ne danses jamais la musique mondaine. Même si c'est ton chef du boulot qui te fait danser dans une fête. Atikalana musala na ye, ozongi na ndaku na nzambe na yo. Si c'est ton mari qui aime les danses mondaines, tu lui expliques sur la chaise, amen, hein, avant la fête déjà, là où nous allons, moi je suis servante de Dieu, je ne danse pas pour le monde. Alors si tu ne veux pas que dans la fête je crée un scandale, ne me demande pas de danser. Oh, give me amen. J'aime un frère de cette église, il a commencé une entreprise très très jeune.
Et alors, il y a eu un marché qui est venu, un grand marché dans le gouvernement. Mais la personne qui amène le marché lui dit, le gouvernement est prêt à débourser 500 000, mais toi, tu peux faire même un devis de 700. Comme ça, les 200 000, nous allons nous partager. Il a dit, je suis un chrétien, je ne fais pas ça. Cette femme lui a dit, tu es un fou, tu rates 200 000 dollars. Il dit, oui, je préfère rater 200 000 dollars, mais avoir une conscience tranquille. Et c'est Dieu qui m'a donné cette entreprise et je n'ai pas besoin de voler pour que mon entreprise se développe. Et la femme a dit, je ne traiterai pas avec toi parce que tu vas me faire rater 100 000. Parce que dans les 200, c'était 100 000, 100 000. Que Dieu vous bénisse, vous qui faites de telles choses. Et votre récompense est grande au ciel. Pourquoi, bien-aimé, kobonga ezalaka kaka kobonga te, kobonga mususu ezako pola. Tu prends les 100 000 là, tu mets dans ton argent, ça mène la malédiction dans ton argent. Et puis tu dis pendant un temps, j'ai eu un 100 000, mais pendant ta vie, dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants, ces 100 000 vont te voler 1 million de dollars. Alléluia. Et Jésus, souvent lorsque on parle de l'œuvre de la croix, on parle de l'œuvre de la croix comme étant seulement un signe de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que l'œuvre de la croix n'est pas seulement un signe de l'amour de Dieu. C'est aussi un signe de la haine du péché. Pourquoi ? Jésus n'a jamais péché. Il est venu devant Dieu comme un substitut. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait ? Lorsque Israël péchait, et le jour de la grande expiation, le souverain sacrificateur prenait un animal. Il imposait ses mains sur cet animal, et il était considéré que tous les péchés du peuple entrer dans cet animal. Il prenait cet animal et cet animal était sacrifié ou cet animal était renvoyé au désert et on considérait que cet animal portait les péchés du peuple et le jugement qui tombait sur l'animal était considéré comme étant le jugement qui devait tomber sur le peuple. Ainsi, l'animal mourait ou était rejeté pour que le peuple ne meure pas et pour que le peuple ne soit pas rejeté. Et Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu, afin de porter nos péchés et afin de subir notre sort. Mais le sort qui arrive sur le sacrifice révèle la haine de celui qui juge le sacrifice. Vous avez compris ? Je recommence. Je devais te cogner, amen, hein ? Je devais te tabasser, te tuer parce que tu as fait du mal. Quelqu'un d'autre dit, pasteur, ne le tabasse pas, tabasse-moi à sa place. Et je tabasse cet homme jusqu'à le tuer. Ça veut dire quoi? Que si je t'avais, j'allais te faire quoi? Alléluia. Quand vous voyez l'œuvre de la croix, ça doit vous enseigner deux choses. Que Dieu vous a aimé, mais deux, que Dieu a une grande haine du péché parce que son propre fils a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? Si Dieu peut abandonner son fils pour les péchés des autres, qu'est-ce qu'il te fera pour ton propre péché? Quand tu vois l'œuvre de la croix, c'est comme si mon propre fils, tu vois, il échoue à l'école seulement avec 45%. Et puis je le frappe à mort. Alors ton fils, qu'est-ce que je lui ferai? Si Dieu a frappé son fils à cause de nos péchés, qu'est-ce qu'il nous fera pour nos propres péchés? C'est pourquoi la seule solution, il doit demeurer ton substitut. Car sans Jésus devant Dieu, le feu de Dieu te tue. Alors chaque fois que vous regardez l'œuvre de la croix, dites, Dieu n'aime pas le péché. Dieu a la haine du péché parce que l'œuvre de la croix révèle sa haine du péché. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église et nous venons en Christ, le but de Dieu c'est de nous amener à lui ressembler. C'est pourquoi la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Haïssez le péché comme votre Père Céleste a la haine pour le péché. Et Dieu veut que nous puissions être comme lui. Car souvent, dans l'église, on nous enseigne qu'une facette de Dieu, le Dieu bon, le Dieu d'amour, alors que Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est saint, Dieu est juste. Je croyais, alors que je rentrais à la maison, Dieu m'a enseigné quelque chose. Je devais traverser la route, et là je me suis arrêté.
Et j'ai regardé à ma gauche. Il n'y avait point de voiture. Tout était bon. Tout était parfait. Mais par prudence, j'ai regardé à droite. Et quand j'ai regardé à droite, trois voitures sont passées rapidement. Si j'avais osé regarder seulement à gauche sans regarder à droite, j'allais avoir un accident ou peut-être mourir. Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'était l'équilibre entre la gauche et la droite. Et qu'est-ce qui te sauve? C'est l'équilibre entre l'amour et la sainteté de Dieu. Si dans ta vie, c'est seulement Dieu est amour, Dieu est amour, tu ne regardes pas à droite, là où il y a la sainteté, bien aimé, la sainteté va te tamponner. Et lorsque tu ne regardes que la sainteté, tu ne regardes pas l'amour, la sainteté va te condamner. L'équilibre, c'est de regarder l'amour et de regarder la sainteté. Lorsque la sainteté me dit que je suis indigne, je regarde l'amour qui me dit tu es pardonné. Mais lorsque l'amour me dit à la grâce, la sainteté me dit pécherons-nous pour que la grâce surabonde loin hein, de là. C'est l'équilibre qui sauve. On reconnaît un bon chauffeur lorsqu'il regarde à gauche, à droite et puis il traverse. Ce sont seulement les chiens qui traversent en regardant d'un côté. Yango bakou va rebeller. Osiomone bembanyao. Rarement on a tamponné nyaou. Mais mboa. Non, banyamana baza penza ba mboa bazoba. Mboa za la raso zo katisa. Soit alika à droite. C'est pourquoi il y a plein de chiens le matin. Plein de chiens parce que eux ne connaissent qu'une partie de la route. Et lorsque tu es un chrétien qui ne connaît qu'une dimension de Dieu, tu mourras. Car c'est l'équilibre qui amène le salut. Voici des exemples que Dieu n'aime pas le péché. Le diable. Frère, le diable. Qui est le diable? Le diable fut l'un des grands serviteurs de Dieu. Il a servi Dieu à un niveau qui me dépasse. Parce que lui, il a vu Dieu. Il était parfait en beauté, parfait en sagesse et en intelligence. Moi, je suis pas parfait ni en beauté, ni en sainteté, ni en intelligence, ni en sagesse. Mais lui, parfait en sagesse et en intelligence. Mais lorsque seulement l'orgueil est monté en lui, Dieu a fait de lui Satan, démon, diable, lui qui était Lucifer, l'ange de lumière. Et la Bible nous dit que Dieu ne lui pardonnera jamais. Même si le diable fait un jeûne de 40 jours pour être pardonné, Dieu ne va pas lui pardonner alors que c'était l'un des meilleurs de ses serviteurs. Pourquoi? Seulement l'orgueil. Ce n'était pas l'impudicité. Ce n'était pas l'impudicité qui a fait chuter le diable, l'orgueil. Ce sentiment que tu as de croire que tu es supérieur aux autres. Ce sentiment qui t'amène à croire que tu es meilleur que les autres. Ce sentiment qui t'amène à ne jamais demander pardon, à ne jamais t'excuser. Ou tu as toujours raison, ou c'est toi, dans ta tête, tu es le numéro un, tu es plus fort que les autres, tu es plus capable que les autres. Ce sentiment d'orgueil, c'est la chute. L'orgueil est comme la sorcellerie. Pourquoi es-tu aussi suffisant? Pourquoi tu te trouves terrible? Pourquoi tu te trouves super? Pourquoi tu penses que toi, tu nous dépasses? Pourquoi tu penses que toi, tu es le meilleur de tous? Qui te l'a dit? C'est Dieu ou c'est ton orgueil? Dites avec moi Sodome et Gomorre. Une preuve encore de la haine de Dieu pour le péché. Souvent lorsqu'on parle de Sodome et Gomorre, c'est par rapport au film. Et je vous donne un conseil. Avant de regarder un film, lisez d'abord la Bible. Sinon, tu vas dire que Yesu akoya kimbalamisato. Alléluia. Et les films d'aujourd'hui, il y a un Samson qui est noir. Alléluia. Il y a des films de Noé, on ne comprend même plus si c'est la Bible. Ah, il y a des livres, des films de Moïse. Tu dis, c'est dans quel verset que Jésus, Dieu était bébé? Vous connaissez le film Exodus? Ah, oh, non. Il faut pas regarder ça. Si tu n'as jamais lu la Bible, ne regarde pas ce film, ôtez à ma baie. Et quand nous regardons les films, Sodome et Gomorre, on voit seulement le feu qui est tombé. Mais j'aimerais vous parler. Le jour où le feu est tombé dans Sodome et Gomorre, qui était mort? Les hommes? Oui. Les femmes? Oui. Mais nous oublions de dire aussi les bébés. Les enfants sont morts à Sodome et Gomorre.
Est-ce qu'on nous dit que Dieu a ouvert une petite porte pour les bébés? Les chèvres, les chiens, les chats, tout le monde est mort, sauf seulement la famille de Lot. Quelle colère, quelle colère! Même les Américains, quand ils envoient la bombe, ils veulent que la bombe ne tombe pas sur les civils. Mais Dieu envoie la bombe sur tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants, là, c'était des futurs homosexuels. Et les grands-parents, ce sont eux qui ont éduqué leurs enfants à devenir des homosexuels. Ils ont qu'à raser Kabinonio Cécile. Et voyez, quelle haine que Dieu a contre le péché. La femme de Lot, alors qu'elle est en train de sortir de Sodome et Gomorre, Dieu avait dit, vous ne regarderez même pas. Aïnango tellement que goûte botte à la moté. La femme sort, elle regarde, elle devient une statue de sel. Mourir par le feu et mourir par une statue, c'est pareil, c'est toujours la mort. Mourir païen et mourir chrétien charnel, c'est pareil. Elle, elle est morte en dehors de Sodome et Gomorre, mais en regardant, mais les autres sont morts dans Sodome, mais tous sont morts. Lorsqu'un païen dit « je ne crois pas en Jésus », il est mort. Mais quand toi tu dis que tu crois en Jésus, mais tu vis dans le péché, tu es mort. Elle, elle est sortie, c'est vrai. Mais elle a regardé et elle est morte. Pourquoi? Elle était sortie physiquement, mais son cœur était à Sodome et Gomorre. Lorsque tu dis, par exemple, que tu as arrêté le péché, mais tu regardes des mauvais films, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes Sodome et Gomorre et tu deviens quoi? Une statue de sel spirituel. C'est pourquoi prier à souster. Lorsque tu dis que tu as quitté le monde, mais tu regardes les clips des musiciens du monde, tu regardes Sodome et Gomorre, c'est pourquoi tu es bloqué. Oui, vous regardez les clips, vous regardez les clips, tu regardes les clips, je te regarde, tu regardes les clips. Certains même, ils ont ça dans leur sonnerie. Lorsqu'on l'appelle, c'est R. Kelly qui chante, et comme il chante une chanson chrétienne, « Aho profite nanzema R. Kelly aba chrétien ». I can fly, so you fly. Ezaya mukili, botique la bango. Chantez aussi le cantique de Madilou où il chante pour Dieu. Pourquoi vous prenez seulement pour R. Kelly? Alléluia. Où tu vas dans une fête, tu ne danses pas, mais dans ton cœur. Oh, tiens. Quel enchaînement. Certains ne chantent pas avec leur bouche, mais leur cœur chante. Ils ne dansent pas avec son corps, mais le petit doigt. Petit doigt. Tu es la femme de Lot. Tu deviens une statue de sel. Lorsque tu as la haine du péché, tu ne regardes plus. Tu as rompu avec une femme dans l'impudicité, mais des fois tu regardes sa photo. Eh, vraiment. Tablo qu'on a tiré une zombie, pizza. Oh, pizza, un colosse sacrifice à vos gras. Ne regrette pas les concombres de l'Égypte. 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 Regarde toutes ces choses comme de la boue. Ne regrette pas tes copains, tes copines, l'ambiance, les bars. Ne regrette pas parce que maintenant tu es vivant. Maintenant tu as le Saint-Esprit. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu as la paix avec Dieu. C'est la chose la plus importante. Ne regrettez pas de vous être converti. Comme d'autres qui disent même ça à leur mari. Hein? Vraiment mes copains que j'avais. Hein? Et toi, pas de comparaison. Toi, je t'ai épousé par grâce. Tu as beaucoup gêné, prié. Hein? Ah non, toi, Dieu t'a exaucé. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le déluge. Le déluge est aussi un signe de la haine de Dieu contre le péché. Dieu parle à un homme et lui dit qu'il va envoyer la pluie et que tout le monde mourra. La seule condition pour être sauvé, c'est d'entrer dans l'arche. Et souvent aussi, quand on regarde les films, on pense que Noé a construit l'arche pendant une semaine. Ça fait des années et des années et des années. C'est-à-dire qu'ils avaient tout le temps pour se mettre en ordre. Comme là, frère, vous venez à l'église ce dimanche, je pars de la sainteté.
Le dimanche, je parle de la sainteté. Et devant vous, je parais comme un fou. Comme un fou qui annonce la pluie. Vous savez que pendant que Noé annonçait la pluie, il n'y avait pas encore de pluie sur la terre. C'est-à-dire qu'il annonçait des choses qui n'existaient pas. Et en plus, il n'a pas construit l'arche à côté de l'eau. Il a construit en plein quartier. Parce qu'il croyait que l'eau viendrait et ferait surnager l'arche. Quelle folie. C'est comme là, je vous prêche l'enlèvement. Tu t'imagines? L'enlèvement. C'est-à-dire qu'on va monter. On va monter, bien-aimé. On va monter. Je suis pas fou. On va monter. Et on va vivre au ciel. Il y aura l'enfer que j'ai jamais vu. Et le paradis que j'ai jamais vu. Je suis comme un Noé. Et pendant que j'annonce et qu'il annonçait, les gens ne croyaient pas. Jusqu'à ce qu'il a fini. Et puis, sa famille est entrée dans l'arche et il a fermé la porte. La pluie a commencé comme de la blague. Une heure de pluie. Tu mets un parapluie. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu entres chez toi, tu fermes. Une semaine, le grand nageur commence à nager. Des mois, il monte sur des arbres. Et après, ils vont sur Kilimanjaro. Ils disent là. Mais, na Kilimanjaro et Zindi. Le grand nageur n'arrive plus. Et ceux qui avaient des bébés, ceux qui avaient des enfants, celles qui étaient enceintes, quelle haine du péché. Dieu a décidé de tout raser, de recommencer à zéro. Et vous voulez me dire que Dieu a changé? Oui, il y en a qui disent, nous sommes dans la grâce. Maintenant, Ananias et Saphira, c'était dans l'Ancien Testament. Ananias et Saphira sont morts pourquoi? C'était leur propre parcelle qu'ils ont vendue, mettons, à 100 000 dollars. Mais ils présentent 50 000, Dieu le tue pour cela. Hommes et femmes, et rend leurs enfants orphelins de père et de mère dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, je connais une femme qui a 20 ans, a commencé à dire des choses fausses sur moi. Elle a perdu son bébé et son mari a été chassé du travail. Je connais un garçon qui voulait tuer ma mère par la sorcellerie. Dieu l'a tué dans le Nouveau Testament. Je connais un sorcier qui était dans notre église quand j'ai commencé à prier, qui avait tué sa famille et qui m'avait attaqué. Aujourd'hui, il est mort dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul a frappé un homme d'aveuglement dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, bien-aimés frères, sœurs, des fois, c'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe que vous pensez que rien ne se passe, alors qu'il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'il n'y a pas de jugement, car la Bible dit même que le jugement commencera par la maison de Dieu. Craignez Dieu. Alléluia. Ayez la haine du péché. Ayez l'aversion du péché. J'aimerais terminer en vous disant ceci. C'est sûr que pendant que je prêche, certains ici sont en train de dire, mais moi je suis pas concerné parce que moi vraiment tout ça je ne fais pas. Mais quelque chose m'a marqué dans la Bible. Un jour Dieu libère Israël et les fait traverser la mer Rouge. Et ce peuple a manifesté ce que j'appelle Bomoto. Vous savez l'homme est grave. J'étudie l'homme au travers de mes enfants. Il va venir le matin, jouer, les militaires, soldats. Tu penses que si il n'a pas ses militaires, il va mourir. Tu lui achètes seulement ses petits soldats. Il joue avec pendant une heure et puis il oublie. On est là. Si j'arrive aux États-Unis, ah là 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 là, je vais d'abord me prosterner. Je vais parler en langue. Je vais adorer. Moi aussi, j'ai pensé ça. Le jour que j'arrive, Nandofing aéroport, je dis, oh, Yango, misé d'un jeté? Hé, États-Unis. Na komi nandio finga koko manako finga mutu. Alléluia. Tu dis Dieu donne-moi une voiture. Tu vas la voir le premier jour, tu vas la conduire avec joie. Deuxième jour, ah, voiture OP. C'est ce que est l'homme. Et Israël sort de l'Égypte, va dans le désert et ils ont faim. Dieu envoie quoi? La manne. Dieu envoie la manne, d'Iman. La boulangerie céleste envoie des gâteaux. Quel miracle! Alléluia!
Les anges envoient la nourriture. Quel miracle! Et le premier jour, ils disent, man, man. Et man veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils sont émerveillés, étonnés par la man. Mais un jour, Moïse! Yo, bimisi biso, polyps, c'est un biloro, et bon, moussouni, et bon, moussouni, koutou, kuna, tous, agib, esclave, mais tout, bando, lia, bien, moutou. Ils insultent la nourriture que Dieu donne, alors que cela préfigurait Jésus-Christ, car il est le pain qui descend du ciel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Rien que pour leur murmure, Dieu envoie quoi? Des serpents brûlants. Bien-aimés, les murmures amènent des serpents. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, veillez sur vos langues. Amen. La crainte de Dieu d'un homme se révèle par ses paroles. Un homme qui craint Dieu n'est pas dans les critiques, n'est pas dans les médisances, n'est pas dans les colportages. Un homme qui craint Dieu ne s'assied jamais avec les moqueurs. Un homme qui craint Dieu n'est pas dans les vaines plaisanteries. Dis plaisanteries. Donc, yo kara, nyo sukara, omemanga na blague. Nyo sukara, omemanga na blague. Pe ba blague à niveau nini, kara ba blague à salité. Ba blague à salité. Moza mwana nzambe ba blaga ka salité kaka yo spo blague kaka makambo kaka ya soni comme si ta langue ne fait que dévier pour sortir que des plaisanteries de mauvais goût. Kaka se dit regarde ça me tient bien et simbio me oza mukuse trop pon yo bak saka biloka osik okaka kaka batu bazoka. Quelqu'un pense ces choses, il marche devant toi. C'est comment? Et ça bien, ça pas tout ça bien, mais yo zotam loka se rozonga sim. Pourquoi ta bouche est spécialisée que dans des mauvaises paroles? Comment tu ne peux jamais parler du bien des gens? Seulement du mal, seulement du mal, seulement du mal. Mais il n'y a pas que le mal, il y a aussi le bien. Il n'y a pas que le mal, il y a aussi le bien. Un homme spirituel se reconnaît par la capacité de discipliner sa langue. La crainte d'un homme se révèle par sa bouche. Et comment arriver à craindre Dieu? Je te dis la vérité, tu ne sauras pas craindre Dieu sans Dieu. Il faudrait que Jésus-Christ vienne dans ta vie et qu'il te donne une nouvelle nature, afin que tu le craignes. Tu peux faire tous les efforts, tu vas continuer à pécher. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui d'ouvrir ton cœur et d'inviter Jésus. Il va te donner la force de craindre Dieu. Alléluia. Sans Jésus, tu ne peux rien. Et à vous qui êtes chrétiens, si vous voulez craindre Dieu, voici ce que vous devez faire. Attachez-vous beaucoup au bien. Alléluia. Attachez-vous beaucoup au bien et vous craindrez Dieu. Un enfant qui mange très bien chez lui à la maison, il suffit que tu lui donnes une mauvaise nourriture, il ne saura pas la manger parce que sa bouche est habituée à une bonne nourriture. Et lorsque tu t'habitues à vivre dans le bien, dans la sainteté, le jour seulement que le péché vient, tu n'arriveras pas à mener cette vie-là tellement que ton esprit est habitué à la sainteté. Et pour terminer, voici. Lorsqu'il fait noir en ce lieu, je peux considérer ce pot de fleurs comme étant un pot en nature, c'est-à-dire des fleurs naturelles. Quand il fait noir, je touche, je dis, ah, j'ai des roses, c'est vraiment des fleurs, très bien. Mais il suffit seulement qu'on allume la lampe et je me rendrai compte que ce sont des fleurs en plastique. Lorsque tu es dans les ténèbres et que le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, tu peux croire que l'impudicité est une richesse. Mais lorsque le Saint-Esprit t'éclaire, tu considères que c'est de la boue. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu peux croire que l'occultisme, c'est la puissance. Mais lorsque le Saint-Esprit déclare, tu te rends compte que tu es esclave. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu peux croire que l'orgueil, c'est ça le charisme. Mais lorsque le Saint-Esprit t'éclaire, tu te rends compte que c'est un mauvais caractère. Lorsque tu vis dans le mensonge, tu penses que c'est ça l'intelligence. Mais lorsque le Saint-Esprit t'éclaire, tu te rends compte que tu es le fils du diable. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Et ce que tu considérais comme étant de l'or, tu vas découvrir que ce n'était pas de l'or, c'était de la boue. C'était de la boue. L'homosexualité, c'est la boue.
L'impudicité, c'est la boue. Le mensonge, c'est la boue. Les critiques, c'est la boue. La jalousie, c'est la boue. La haine, c'est la boue. La sorcellerie, c'est la boue. La musique mondaine, c'est la boue. L'adultère, c'est la boue. Tout ce que tu aimes là, si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu te rendras compte que ce n'était pas des fleurs naturelles, c'était des fleurs en plastique. Et je sais que je peux tout dire. Si le Saint-Esprit ne vous éclaire pas, vous allez continuer à vous attacher à vos péchés. Mais si le Saint-Esprit vous éclaire, aujourd'hui même, vous allez prendre des décisions. Vous allez arrêter. Pourquoi ? Tu vas découvrir que la vie que tu menais n'était pas une vie, c'était la mort. Qu'est-ce qui fait une femme qui pendant 10 ans était deuxième femme? Elle pensait que c'était bien. Elle appelait cet homme mon mari. Un jour, elle va quelque part, elle entend la parole et il y a la lumière. Elle se rend compte que ce n'était pas le mariage, c'était le concubinage. Elle arrête tout, les avantages. Elle cherche son propre mari. Pourquoi? La lumière du Saint-Esprit a révélé que ce n'était pas un diamant, c'était de la boue. Si tu vois dans cette lumière que c'est la boue, jette ta boue, jetez vos boues, jetez vos boues, jetez vos boues, jetez vos boues, jetez cela. C'est pourquoi chaque fois qu'on prêche l'évangile, qu'est-ce que le diable fait? Il jette un voile pour que tu ne voyes pas et que tu croies que c'est la boue. Alors que c'est, tu crois que l'or c'est, la boue c'est de l'or, alors que ce n'est pas de l'or, c'est de la boue. Que Dieu vous bénisse abondamment.